الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه بغية الطالب صحيفة 185: فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أي غير الحائض والنفساء. Alors, Cheikh Abdullah, dans le livre de La Purification et la Prière, il dit à la page 185 du livre Bughyat al-Talib que ces obligations, les cinq prières, Subh, Dhuhr, Maghrib, Asr, Maghrib, Isha, ces obligations, ces prières obligatoires, et on doit les accomplir à leur temps. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, il faut les accomplir à leur temps. Sur chaque musulman pubère, saint d'esprit, et qui est dans l'état de pureté, il vise par ça la femme qui n'a pas les menstrues, c'est-à-dire. Parce que la femme, pendant les menstrues, ne prie pas. Elle n'a pas le droit de prier et elle ne rattrape pas non plus. فَلَمَّا قَالَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ الصَّلَاتِ لَا تَصُحْ مِنْ كَافِرِ Lorsqu'il a dit musulman, la prière n'est pas valable d'un mécréant. Et on ne dit pas à un mécréant de prier. لَا يَصُحْ أَنْ تَقُلْ لِلْكَافِرِ تَعَصَلِّ مَعْنَا الكافر يقال له ادخل في الإسلام إذا دخل في الإسلام تعلمه كيف يتطهر ويصلي. Tu ne dis pas à un non-musulman, viens prier avec nous. Tu lui dis plutôt, il faut embrasser l'islam et par la suite, je vais t'expliquer comment prier, comment faire les ablutions. عاقل مع لأن المجنون ما عليه حرج. Lorsqu'il a dit pubère, saint d'esprit, parce que le fou, il n'est pas responsable. C'est lui qui est dans la folie, il n'est pas responsable. ليس على المجنون حرج. Dans le bas monde, le fou, il n'est pas responsable, et le jour du jugement, il n'est pas responsable. Il rentre au paradis sans être questionné. Lorsqu'il a dit dans l'état de pureté, c'est-à-dire toute personne en dehors de la femme qui a les menstrues ou les louchis, parce que la femme, pendant les menstrues et les louchis, n'a pas le droit de prier. N'a pas le droit de prier. عم نتكلم عن الحائض والنفساء لا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي ولا يجب عليها القضاء. C'est pas permis qu'elle prie et elle n'est pas obligée de rattraper, bien sûr. اما الصيام لا تصوم ولكن تقضي. La femme qui a les menstrues ou qui a les louchis ne jeûne pas, mais elle doit rattraper le jeûne. La sagesse, c'est que le jeûne, c'est une fois dans le mois de Ramadan, c'est une fois dans l'année. Allah a rendu obligatoire sur les femmes de rattraper les jours de menstrues. Mais la prière, c'est dans chaque mois. Allah n'a pas rendu obligatoire sur les femmes de prier ou de rattraper pendant les jours des menstrues. الشرح أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض. Le fait de connaître, savoir les heures de la prière, on ne veut pas par ça les heures, c'est-à-dire à 1h37 c'est le dhuhr. Non, l'heure, c'est-à-dire comment le dhuhr rentre par rapport au soleil, comment le asr rentre par rapport au soleil, comment le maghrib rentre par rapport au soleil, la fin du temps, le début du temps de chaque prière, c'est ça qu'il faut connaître. Et c'est une obligation. قال بعض العلماء المالكية ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم فيما يتعبد. Certains savants malikites ont dit, mais il n'y a pas un bien de, dans une personne ou chez une personne qui ne sait pas les heures de la prière. Et il ne sait pas une condition parmi les choses importantes pour la prière. Parce que ma'rifat al-awqat daruri, l'iqa' al-salat fil waqt wa shart, le fait d'accomplir de la prière dans le temps est une condition. Si la personne ne connaît pas les heures de la prière, comment faire? Il y a des gens, ils pensent c'est le adhan. Tu vois, à tel point qu'il lui a dit ouais, bon, je vais faire le adhan avant parce qu'il a le match de foot. شو انه بتحط الاذان قبل الوقت بيصلوا الناس مشان انت تحضر ماتش الفوتبول. Ou quelqu'un d'autre, il veut se précipiter pour la prière avant le Maghrib. Il lui a dit, bon, j'attends, je ne vais pas faire le azan tout de suite.
Mais ce n'est pas une question de adhan. C'est si le soleil s'est couché, le maghrib est rentré, que tu as fait le adhan ou non. Nous chefons à Mistagil. خلاص هاخر الاذان شوي هتاخر الاذان لشو دخل الاذان هو لبيان اعلام دخل الوقت بعد غروب الشمس الاذان c'est une information aux musulmans alentour pour dire l'heure de la prière rentrée suite à quoi coucher du soleil suite à quoi l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith s'il s'agit de l'asr. S'agit, oui, le soleil a quitté le zénith, le vol est rentré. Alors on fait le adhan pour informer que l'heure est arrivée. Mais ce n'est pas le adhan même qui fait que c'est l'heure de la prière, parce qu'il y a des gens qui font le adhan avant l'heure et il y a des gens qui font le adhan après l'heure. هذا لأن حال المسلمين وصل إلى حال يرثى لها. L'état de beaucoup parmi les musulmans, ils sont arrivés à un état qui n'est pas du tout bien. وصلنا إلى مثل هذه الحال بسبب تقصير الناس في طلب العلم وتقصير الأئمة في التعليم أو هم صار معظمهم ما عندهم علم ليبلغوا. La négligence des gens pour apprendre, la négligence des imams pour enseigner, ou beaucoup parmi ces imams ne sont pas au niveau d'enseigner. Alors, فاقد الشيء لا يعطي, celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas l'enseigner. Moi, je ne connais pas la langue allemande. Je ne connais pas la langue allemande. Je ne peux pas vous enseigner l'allemand. Si vous voulez, je peux un peu enseigner l'ajromiya dans la langue arabe, parce que je connais un peu la langue arabe, certaines règles. Mais l'allemand, rien du tout. À part Schlebedisch, c'est ce que je connais de l'allemand. Qu'est-ce que je peux vous dire? فيجب أداء كل من الخمس في وقتها ولا يجوز تقديمها على وقتها أي فعلها قبل دخول وقتها ولا تأخيرها عن وقتها بلا عذر. Alors il faut accomplir les cinq prières dans le temps. On n'a pas le droit d'avancer la prière et de la faire avant le temps. On n'a pas le droit de le retarder de son temps sans excuse. ليش قال من دون عذر لأنه في السفر هناك أشياء يجوز للإنسان في السفر أن يجمع بين صلاتين في السفر وفي المرض وفي حال المطر. Alors parce que il a dit sans excuse. Pourquoi? Parce que avec l'excuse on peut regrouper entre deux prières. Si je suis en voyage, si je suis malade, s'il y a la pluie comme aujourd'hui, comme la pluie au temps de le Maghrib. Par exemple, lorsqu'on a fait le Maghrib, il y avait la pluie. Et à la fin du temps de le Maghrib, il y avait la pluie. Alors, pour que les gens ne ratent pas l'Isha à cause de la pluie, alors on avance l'Isha et on fait le Maghrib et l'Isha. Parce que peut-être à cause de la pluie, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à cause de ça. Bon, maintenant ici, ils ont les gens, toutes les choses, les bus, la voiture, le parapluie, alors ils viennent quand même. Mais dans certains pays, voilà, la pluie gêne, surtout avec la boue. Et lorsqu'il y a vraiment des tempêtes, alors ils avancent le Isha avec le Maghrib pour ne pas rater le Jama'a. Et dans هذا عذر, Jama'a taqdim. Là, on avance le Isha avec le Maghrib à cause de la pluie. Ou l'asr avec le zohr à cause de la pluie. Sinon, on est en voyage, on peut retarder le zohr ou avancer le asr. On peut retarder le maghrib ou avancer l'isha si on est dans un long voyage. Mais si on n'est pas en voyage et on n'est pas malade et il n'y a pas la question de pluie, on ne peut pas regrouper, avancer une prière de son temps ou retarder. إذا كان عذر من سفر ومرض ونحو مطر يجوز التقديم التقديم والتأخير بالسفر والمرض أيضا يجوز إذا كان سفرا طويلا مباحا si le voyage est long si le voyage est licite et tu quittes la ville c'est pas chez toi une fois que tu quittes la construction. طيب قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون المراد بالساهو تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. Alors, malheur aux prieurs, à ceux qui prient et qui retardent, qui sont distraits de la prière, c'est-à-dire qui retardent la prière du temps sans excuse. Qui retardent la prière du temps sans excuse.
فتوعد الله تعالى من يخرجه عن وقتها بالهلاك الشديد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح فيما رواه ابن حبان في وعيد تارك الصلاة أنه الذي يترك الصلاة أنه لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. Alors qu'est-ce qui est rapporté au sujet de celui qui ne prie pas du tout? Il y a un très dur châtiment qui l'attend le jour du jugement. Ça a été rapporté dans le hadith rapporté par Ibn Hibban que Sayyidina Muhammad a dit, cette personne n'aura pas ni une lumière, ni une sauvegarde, ni un preuve et un argument en sa faveur le jour du jugement. Et il sera avec Pharaon, avec Qarun, celui qui avait beaucoup d'argent de Bani Israël au temps de Pharaon, et Haman, c'est le ministre de Pharaon, ministre de construction, et Ubay ibn Khalaf, c'est un commerçant arabe. Alors il a cité ces arabes parce que Pharaon était prise par le pouvoir, Haman par son poste et son ministre, Qarun par son argent, Ubay ibn Khalaf par son commerce. Alors si tu as laissé la prière à cause du commerce, tu te ressembles à Ubay ibn Khalaf. Si tu as délaissé la prière à cause de l'argent, tu te ressembles à Qarun. Si tu as délaissé la prière parce que tu es pris par ton pouvoir, tu ressembles à Pharaon. Si par poste, par voilà, c'est comme Haman. Alors c'est pour cela, c'est lui qui délaisse la prière et sera avec l'un de ces gens-là le jour du jugement. Et on parle là des grands mécréants, c'est pour dire que c'est lui qui ne prie pas, il est dans un état très critique. D'ailleurs, certains savants, comme Ibrahim al-Nakhai, comme Ishaq ibn Rahawai, on dit celui qui ne prie pas est un mécréant. C'est un avis parmi les avis de l'imam Ahmed, ça a été rapporté qu'il dit que celui qui ne prie pas il est mécréant. C'est l'apparence de la parole de Sayyidina Omar. Sayyidina Omar a dit la dîna liman la salata lah. Pas de religion pour celui qui ne prie pas. C'est l'apparence de la parole de Sayyidina Omar. Malgré qu'on dit, la plupart des savants ont dit celui qui ne prie pas il est proche de la mécréance, il est dans un grand péché, voilà. Mais il y en a d'autres qui en disent, il a mécru réellement. بعضهم قال كافر حقيقة وبعضهم قال ذنبه يشبه الكفر قريب من الكفر في الحديث بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام a dit entre l'esclave et la mécréance et le shirk, le fait de délaisser la prière. L'apparence de ce hadith qu'il est mécréant. فهو سبحان الله العظيم كيف بتقول بعض الأحيان بتقول له واحد تعال بشتغل بشتغل شو بدك تشتغل إيه بدك تحفر بالطرقات وبالشتاء بس حنعطيك على اليوم 1000 فرنك بيشتغل ها si on dit à quelqu'un voilà il y a du travail c'est quoi oui tu vas creuser dans les rues là tu vas travailler creuser dans les rues en hiver il fait froid c'est la pluie. C'est un travail dur. Oui, et combien vous allez me donner? On vous donne par jour 1000 francs. 1000 francs? Ah oui, je travaille. Mais comment ça se fait que... Oui, mais 1000 francs. Mais tu trouves ces gens-là, lorsque tu lui parles de la prière, tu te dis, j'ai pas du temps. J'ai beaucoup du travail. Et la prière, ça prend 5 à 10 minutes. Mais la prière obligatoire, nous, on a l'exemple de... La sunna c'est mieux que la terre et ce qui est dedans, que ce qu'on dit pour la prière obligatoire. Ils ne font pas, il y a des gens, oui, j'ai beaucoup du travail, je trouve pas du temps. Et lui, il prend un salaire de 4000 et il travaille toute la journée comme un mulet, il dort dans la nuit comme un âne et il ne prie pas. Mais pour avoir 4000, il travaille comme un mulet, hein. Mais lorsqu'il s'agit de prière, il dit, j'ai pas du temps. Et la prière, ça prend 5 à 10 minutes. Alors 5 prières, c'est 50 minutes. Si tu prends 10 minutes, 50 minutes, avec la purification, disons, voilà, une heure. Mais il te reste 23 heures. Et il y a des gens qui ne prient pas. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tu sais, là tu dis, Alhamdulillah, alladhi afani mimma btalahu bihi. Lorsque tu vois quelqu'un qui ne prie pas, tu dis cette parole. Alhamdulillah,
الذي عافاني مما ابتلاه به. Louange à Allah qui m'a donné le bon état de ce qui était éprouvé, cet homme-là ou cette personne. C'est ça la grande épreuve. Il boit de l'eau que Allah a créée, il respire l'oxygène que Allah Ta'ala a créé, il dort profondément par grâce à Dieu, et après il ne prie pas. Et pourquoi toi tu es vivant? Pourquoi tu es vivant toi? ما تقوم انت عايش لتاكل جبنه ولحم مشوي toi tu es vivant pour manger du fromage et de faire de la grillade quel but dans la vie اذا كان هذا عيشتك انت لتاكل طعام لذيذ وتشوف الدنيا si le but de ta vie c'est pour manger bien et voyager voir le monde quel mauvais but بعض الناس كان يقعد بالخلوة 20 و30 سنة بيصلي جماعة وبيرجع للخلوة. Il y avait beaucoup de saints. Il prie le jamaa et il vient chez lui, il rentre chez lui, il ferme la maison, il continue à faire des adorations comme Daoud al-Ta'i, comme Abu Yazid al-Bastami. C'est des gens qui ils faisaient le jamaa puis après ils reviennent pour prendre soin d'eux-mêmes parce qu'ils disent ce bas monde c'est comme un clin d'œil. قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Lorsqu'ils viennent le jour du jugement, lorsqu'ils sortent de la tombe, et il y a trois catégories: ceux qui sont sous l'ombre du trône, ceux qui sont sous la chaleur du soleil, sans habits, sans souliers, sans manger, sans boire, sans s'asseoir, sans se couvrir, sans se reposer. Il y a ceux qui sont tirés sur leur visage, c'est les anges qui les tirent, et un jour qui va durer 50 000 années. Lorsqu'ils voient ça, alors ce qu'ils ont fait dans le bas-monde, ils disent c'était comme la matinée. C'est pas comme un jour, comme la matinée d'un jour. Comme tu dis, de 8h à 11h. Ou la fin de la journée, Ashiyatan, c'est comme après l'Asr jusqu'au Maghrib, Ashiyatan, encore 2 heures. Ou comme ils disent, mais comme on était dans un rêve et puis après on s'est réveillé. Comme si nous étions dans un rêve. Et on veut se réveiller. C'est pour cela, si tu es vraiment dans le bien, dont tu as les millions, ton père, il a laissé quelques milliards, ça dure très peu, mon frère. Paye la zakat, prends le halal, fais ce qu'il faut pour être sauvé. Et si ton père était très pauvre, ou les sionistes n'ont rien laissé pour toi, ils ont tout cassé, ils ont tout bombardé, ils ont tué ta famille, ta maison, et tu es le seul vivant de 50 personnes. À Gaza actuellement, il y a des gens, il est sauvé de parmi 40 personnes. Il y a une personne sauvée. Et la maison est détruite, il n'y a rien. Et tu dis oui, mais le bas monde est comme 2 heures du temps. C'est comme une goutte par rapport à l'essence. Je patiente et ceux qui ont tué ma famille, je vais les prendre. Je vais prendre mon droit le jour du jugement. Mais de toute façon, la douleur et l'amertume et les difficultés, c'est très court. Comme les anges, vivre bien, vivre le luxe. Tu as 10 voitures, tu as 2 avions, tu as 10 châteaux, tu as encore c'est comme un rêve. Tu as vu un bon rêve ou un mauvais rêve et tu te réveilles. C'est ça un petit peu. On dit Adras Ahlam, l'équivalent de ce bas monde. Alors comme c'est étonnant, il y a des gens qui croient au jour dernier, ils croient que Mohammed est un prophète messager, mais il ne fait pas la prière. هذا شيء عجيب جدا. أن بعض الناس تؤمن بيوم القيامة تؤمن بأن النبي محمد رسول الله وفي حساب بيوم القيامة وفي بعث ولا يصلي وتارك الصلاة على قول كافر وإذا قلنا إنه على عند كثير من علماء غير كافر فهو من أفسق الفاسقين وهي أول عبادة نسأل عنها يوم الدين أول عبادة نسأل عنها فعجيب أن بعض الناس بيشتغل بهذه الدنيا مشان يأخذ راتب شهري 5000 أو 4000 ويعمل كالبغل طول النهار وينام كالجيفة كالحمار في الليل ولا يصلي لكش أنت بتشتغل طول النهار 8 ساعات و10 ساعات حتى تأخذ هذا المال القليل ولا تصلي والصلاة الواحدة خير من الدنيا وما فيها الصلاة الواحدة خير من الدنيا وما فيها بعض الناس إذا بتعطيه شغل قل له شغل بالطريق بدك تحفر شغل قاسي ولكن باليوم 1000 فرنك يعني بالشهر 30,000 بقول لك نعم بشتغل خلص بطلت اعمل دكتور il te dit je veux plus faire docteur je veux travailler si c'est comme ça ولكن لما يعمل هذا لانك تعطيه اجره
ما هذه الأجرة أمام ما يعطي رب العالمين؟ لما تقول سبحان الله vous avez appris, qu'est-ce que lorsqu'on dit سبحان الله qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Un arbre en or dans le paradis et il y a les fruits mûrs qui شجرة من ذهب وبعد ذلك ثمر نضيج. وإذا قال سبحان الله وبحمده نخلة. وإذا قال سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة من ذهب. S'il dit سبحان الله وبحمده c'est un palmier en or, puis après il y a les dattes mûres. Il y a les dattes mûres et c'est un palmier en or, et après il y a, ça sort les dattes mûres. Mais pas comme les dattes de, que vous connaissez, dattes algériennes ou majoules. C'est beaucoup, beaucoup plus bon que ça. Enfin, c'est étonnant, متعجب أنه كيف الإنسان يتكاسل عن الصلاة ويعني يركض للدنيا وهو يؤمن بيوم الحساب. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne prie pas, qui court derrière le bas monde, et il croit au jour du jugement et il ne prie pas. قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث وإن شاء أدخله الجنة هو الذي دليل لأكثر العلماء عن أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر ولكنه مسلم فاسق لأنه لو كان كافر حقيقة لما قال وإن شاء أدخله الجنة. Alors tu vois dans le hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit cinq prières que Allah les a rendues obligatoires. Celui qui les accomplit complètement, parfaitement, aura la promesse de Dieu d'aller ou de rentrer au paradis. Et celui qui ne les fait pas, il n'aura pas ce pacte. S'il veut, il le châtiera, et s'il veut, il le fait rentrer au paradis. Alors là, lorsqu'il a dit s'il veut, il le fait rentrer au paradis, si, ça veut dire qu'il lui pardonne et il le fait rentrer au paradis, ça veut dire qu'il n'est pas un mécréant réel, mais il a fait un très grand péché. Ce hadith est l'argument pour les autres savants. فَمَا وَرَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا ظَاهِرُهُ تَكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ مُؤَوَّلْ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَارِكُ الصَّلَاةِ. Alors c'est pour ça l'autre hadith, l'autre, qu'entre la personne, l'homme et la mécréance, entre la personne et la mécréance, le fait de délaisser la prière, ça c'est interprété par le fait de dire que il ressemble à la mécréance. Il est dans un péché qui ressemble au péché de la mécréance. معناه يشبه الكافر لعظم ذنبه. C'est-à-dire, il ressemble au mécréant à cause de son grave péché. والحديثين صحيح. Le premier qu'on a dit, إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواه أحمد. والثاني رواه مسلم. Le premier rapporté par Ahmed et le deuxième rapporté par Muslim. قوله قول المؤلف على كل مسلم يعني به أن الكافر لا يقال له صلي. Lorsqu'il a dit les cinq prières obligatoires dans leur temps sur chaque musulman, ça veut dire le mécréant, on ne lui dit pas de prier. الكافر لا يقال له صلي. الكافر يقال له voilà, نشرح لك الإسلام فإذا أردت النجاة ادخل. Si tu veux la sauvegarde, rentre dans l'islam. لما بعض الناس قد يقول لواحد مثلا مرتد بيقول له تعال صلي او بيصلي خلف مرتد. انتبه، المرتد لا تصح الصلاة مثل اي كافر، وان تقول له صلي يعني انت تقول له ايش؟ زد كفرا. ما هو كيف هو صلاته لا تصح، فهو يقول يا رب انا اصلي مع اني كافر، والصلاة لا تصح مع الكفر، فليس لك أن تقول له صلي، وليس لك أن تقول له هذا ماء الوضوء، وليس تقول له هذه القبلة وهذه السجادة، وتعرف أنه مرتد. Il y a des gens qui se disent musulmans, mais en réalité, il n'est pas musulman, il est apostat, parce qu'il croit que Dieu est un corps. Ou c'est quelqu'un qui insulte Dieu lorsqu'il s'énerve. Ou c'est quelqu'un qui contredit certaines lois. Par exemple, il dit, on peut se marier homme-homme, femme-femme. Il y a des gens qui se disent musulmans, même soi-disant, j'ai vu soi-disant un imam en Amérique, un imam.
Il dit, on peut se marier homme-homme et femme-femme. Alors, tu vois, ça, c'est un mécréant. Ça, c'est un apostat. Alors, celui-là, s'il dit, voilà, je veux faire les ablutions, donne-moi l'eau d'eau. Tu ne lui donnes pas. Parce que celui-là, il croit que sa prière est valable avec la mécréance. Alors, c'est une autre mécréance. Il croit que le wudu de lui est valable. Alors, c'est une autre mécréance. Alors, on ne peut pas lui donner de l'eau ou le tapis de la prière ou on dit le qibla. Celui-là, c'est comme une fois, 35 ans en arrière ou quelque chose, il y avait quelqu'un qui disait, je suis un prophète. Il dit, je suis un prophète. Bon, alhamdoulillah, on l'a écrasé devant les gens. Mais avant, il y avait beaucoup d'imams, ils disaient, on ne peut pas, il connaît beaucoup. On l'a écrasé. Alors, lorsqu'il était vraiment coincé, après, il a dit, oui, le Maghrib est rentré, on veut faire la prière. J'ai dit, ah, c'est toi, toi, tu ne pries pas, toi, tu es kafir. Prie-toi, la prière n'est pas valable de toi. La prière n'est pas valable. Tu es un homme qui prétend que tu es un prophète, tu es un kafir. Tu dis, je suis un prophète, tu es un menteur. Mais après, c'était un Mossad, hein? C'était quelqu'un qu'on l'a nommé Abu Hassan al-Iraqi. Abu Hassan al-Iraqi. Il disait, Mariam, c'est pas une femme. Alors c'est quoi? Bref. Alors on ne peut pas donner de l'eau ou le tapis de la prière, et on ne peut pas prier derrière un apostat. Si tu sais que cet imam, il croit que Dieu est encore assis sur le trône, comme Al-Wahhabiyya en général, tu ne peux pas prier derrière lui. Il y avait une fois un savant de l'Inde, Hanafi, il est venu. Et les gens de l'Inde, ils étaient à l'époque peut-être 40 000 avec lui. Alors lorsque le Wahhabi, il faisait la prière, lui, il ne prie pas. 40 000 restaient avec lui. Après lui, il y a 40 000 qui prient. Ils sont venus. Ils ont dit, comment ça se fait? Vous ne priez pas derrière nous. Alors l'imam indien, il a dit, vous êtes des mécréants, la prière n'est pas valable. Antum, vous êtes kafara, vous croyez que Dieu est encore, la prière n'est pas valable derrière vous. Alors, بيجيك بعض الأحيان بعض الجهال لا هذا إمام الحرم لا تقل هذا يا أخي هذا يقول لا إله إلا الله. Hein? Il y a des gens qui disent non, mais c'est l'imam al-Haram, il faut pas dire ça, c'est quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Mais il dit la ilaha illallah et il contredit lorsqu'il dit Allah est encore. بيقول باللسان لا إله إلا الله ثم يقول الله جسم قاعد على العرش الإمام البيهقي هو الذي قال أن هذا كلامه كفر يجب تكفيره مثل المشرك والملحد في كتابه شعب الإيمان الجزء الأول صحيفة 104 J'ai dit que ce n'est pas seulement ce savant de l'Inde ou moi, le Bayhaqi, le Shafi'i, le Suyuti, Abu Hanifa, Abu Ja'far al-Tahawi, les grands imams, le Mahmoud Khattab al-Subki, il dit c'est un kafir par l'unanimité des imams, celui qui dit que Dieu est encore. Et le Bayhaqi, j'ai dit dans le livre Shu'ab al-Iman, au premier volume, à la page 104, 105, il dit que celui qui dit Allah est encore assis sur le trône, il est dans la mécréance. Il faut le déclarer mécréant comme un athée, comme un mushrik. Celui qui dit Allah est encore, il n'a pas connu Allah, il a rassemblé Dieu avec les créatures, il n'est pas musulman. فلذلك المرتد إذا قال لك أصلي قل له ادخل في الإسلام أولا. S'il y a un apostat qui dit je veux prier, tout ça, tu lui dis il faut embrasser l'islam tout d'abord. Il faut témoigner parce que tu as dit telle et telle chose de mécréance. Et après, tu fais la douche et tu fais le wudu et voilà, tu fais la prière. وبقوله بالغ يعني غير البالغ لا تجب الصلاة عليه ولكن نحن نأمر الصبي لما يكون عمره بسبع سنوات بالصلاة. Alors, la prière, lorsqu'il a dit pubère, c'est-à-dire la prière est obligatoire sur les personnes qui sont pubères. Mais si l'enfant où la fille n'est pas dans l'âge de la puberté, ils ne sont pas obligés de prier, puisqu'ils ne sont pas dans le taklif, ils ne sont pas dans la responsabilité. Mais les parents doivent ordonner aux garçons et aux filles, lorsqu'ils ont 7 ans lunaires, et ils ont l'âge de discernement, et ils ont eu 7 ans lunaires, de leur ordonner de prier. Mouru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'a.
هكذا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وأبناء أو سبع واضربوهم علي وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. Et dans l'islam et dans le pays de l'islam, le père, il corrige son fils s'il n'a pas prié. Et à l'âge de 10 ans, on les sépare dans le lit, on les sépare, c'est-à-dire d'une manière, il ne dort pas sans habits sous la même couverture. هذا معناه. لا ينامان تحت لحاف واحد عاريين. الصبي مع الصبي والبنت مع البنت ومن باب أولى الصبي مع الصبي. Il ne faut pas qu'on les laisse les enfants dormir sous une seule couverture sans habits. S'il y a les habits, beaucoup des pauvres, beaucoup des familles pauvres, lorsqu'ils donnent à leurs habits des pyjamas, ils font dormir deux garçons dans le lit, même des fois trois, deux en haut et un en bas. Comme ça, ils croisent les... Parce qu'il y a des gens, des fois, il a 10 fils. Et il y a toute la maison, c'est 3 pièces. Tu vois, alors, les filles, il y a 4-5 filles ici, là-bas 4-5 garçons. Et puis, le père et la mère, ils ont le salon. Des fois, c'est comme ça. Alors, s'ils portent des habits, ils peuvent dormir 2-3 dans le même lit. طيب البالغ لأنه محل التكليف قبل ذلك الصبي إن عمل إحسانا يكتب له الحسنات وإن عمل السيئات لا تكتب. Alors l'enfant avant l'âge de la puberté, s'il a agi dans le bien, il a fait la prière, il a fait le dhikr, la lecture du Coran, il a fait des actes de bien, seront écrits pour lui. Mais s'il a fait ce qu'on dit nous, les choses qui sont interdites, qui sont haram, ils ne seront pas écrits sur lui. Les hasanats seront écrits par la générosité de Dieu, mais les péchés ne seront pas écrits sur lui. Trois personnes ne sont pas concernées par l'écriture, et il a cité l'enfant jusqu'il atteint l'âge de la puberté. Le père ou la maman ou le grand-père, il ordonne à son fils de prier une fois qu'il lui explique comment prier. Comment lire le Fatiha, comment faire les ablutions. Ils vont enseigner à leurs enfants le fait de prier et de se purifier et ils ordonnent à leurs fils et leurs filles de faire la prière. Si tu as habitué ton fils à faire du bien, il grandit en ayant cette bonne habitude. إذا عودته على الكذب والسرقة والحلف الكذب ونحو ذلك ينشا عليه. Si tu l'as habitué à mentir, à voler, tu l'as vu en train de voler et tu l'as laissé. Il y a beaucoup de femmes ou des parents, ils voient son fils, il a volé, il ne dit rien. Mais celui-là qui a volé un noix, il avait volé un œuf, il a volé un bonbon, il a voulu un petit chocolat, mais après il va voler un conteneur, il va voler toute la ferme, il va voler tout le troupeau des moutons, c'est grave. Il ne faut pas laisser faire. عوده الخير يعتاد عليه وينشا. Habitue-le au bien, il grandit avec ça et il va le faire après avec une bonne humeur en étant très content. Mais si tu le laisses en train de faire des mauvaises choses, il grandit avec ça et c'est grave. Il va faire du mal à lui-même et dans la société. الصهاينة اليوم يعودون أولادهم على يعب وهم صغار قلوا بدنا نقتل العرب بدنا نشرب دمهم بدنا نمص دمهم هيك بيعلمون. Les sionistes, ils enseignent leurs enfants à l'école lorsqu'ils sont enfants. Il faut tuer les Arabes, il faut sucer leur sang, il faut faire ça aux enfants. Et dans l'Occident, ils connaissent, mais ils font le sourd aveugle. Dans l'Occident, pour ça, ils font le sourd aveugle. الأعمى الأصم الذي لا يسمع ولا يرى. Mais ça, ils leur donnent à l'école. C'est pour cela, vous voyez, la criminalité chez eux, ça passe comme si tu manges du bon fromage. Voilà. Ou celui qui tue le plus, celui qui sera élu. Le grand criminel, c'est le grand criminel qui est élu. C'est lui qui fait satisfaire les sanguinaires. إنه اللي بيقتل أكثر هو اللي بيربح بالانتخابات. ليش؟ لأنه أغلب هؤلاء الناس على الإجرام نشأوا. La plupart de ces gens-là grandit avec la criminalité. Alors celui qui tue le plus, il a sauvé leur
mauvaise penchant. Il les répand alors en désir d'acharnement, de tuer acharnement les gens. Il a dit là, celui qui a raison, parce que celui qui est fou, il n'est pas responsable. ومرادنا ايش الذي نشأ يعني او خلص لو جن بعد البلوغ c'est lui qui a jeûné qui a perdu la raison à 40 ans depuis qu'il a perdu la raison il n'est pas مكلف ولما قال طاهر يعني غير الحائض والنفساء lorsqu'il a dit qu'il est dans l'état de pureté ça veut dire la femme qui a les menstrues ou les louchies ne prie pas mais celui qui est junub il doit prier mais qu'est-ce qu'il fait il fait la douche et elle prie comme celui qui n'a pas l'eau, il doit prier, il fait l'eau et il prie. Non, al murad bi at-tahir ghayr al-hayd wa an-nafasa, amma al-junub yajib an yusalli, yaghtasil wa yusalli. Alladhi laysa ala wudu' yatawadda wa yusalli. Il lam yajid ma'an tayammam. Celui qui est junub, celui qui n'a pas l'eau, il doit prier, il fait la douche, il fait l'eau et il prie. Et celui qui n'a pas trouvé de l'eau, il fait le tayammum. Celui qui n'a pas trouvé l'eau, il fait le tayammum. Alors il a dit, ces prières, on n'a pas le droit de les faire avant le temps, on n'a pas le droit de retarder du temps sans excuse. Sans excuse. On a dit, il y a des prières qu'on peut avancer ou retarder pendant le voyage. Le dhuhr, tu peux la retarder pour faire avec le asr. Le asr, tu peux l'avancer pour faire avec le dhuhr si tu es en voyage. Ou tu es malade, très malade. Le maghrib, tu peux la retarder pour faire avec le isha, ou tu peux avancer le isha pour faire avec le maghrib. Si tu es en voyage ou tu es malade, selon l'imam Ahmad, s'il y a une excuse, s'il y a une excuse, même si ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un voyage, c'est une autre excuse. L'imam Ahmad a dit on peut regrouper. Mais le subh, tu dois le faire dans le temps, que tu sois en voyage ou malade, que tu es dans un avion ou dans le bus, tu dois faire la prière de Subh dans le temps. Parce que combien de fois on a pris l'avion, et moi, tu sais, le Subh, le temps est court, surtout lorsque tu fais avec le sens inverse, le soleil se lève de l'est, elle va vers l'ouest. Et si toi, tu vas à l'est, tout de suite, le subh, il y a le soleil qui va comme ça et toi, tu vas dans l'autre centre. C'est vite fait, le subh rentre. Alors, tu dois le surveiller. Et à un certain moment, tu n'es pas sûr. Le subh est rentré ou non, tu n'es pas sûr. Et lorsque tu es sûr, c'est vite fait, ça passe. Et tu trouves... Personne ne bouge dans l'avion, malgré qu'il y a des gens barbus, malgré qu'il y a des gens, des femmes qui me sont couverts, même le visage. Ils sont dans l'avion, ils ne bougent pas. Comment ça? Kifaïda? Alors tu dois te lever et faire la prière. Alors maintenant, si tu es par exemple dans les avions arabes, avec l'ignorance, te dis, prie sur la chaise. Quelle chaise? Pourquoi je peux être debout? Pourquoi je prie dans la chaise? Mais je peux être debout. Et la prière de Subh, de toute façon, c'est pas long. C'est 2-3 minutes. Surtout ceux qui se disent musulmans. Mais les Italiens, les Français, les Allemands, les Anglais, tu lui dis, voilà, je vais faire la prière. Une fois que vous donnez à manger, les gens ne bougent pas, je prie. Ils te disent, ok. Si tu déranges personne, ok. Mais c'est le problème, c'est là où tu es avec les musulmans, là où tu es avec les arabes, c'est là où tu... Mais après, il faut pas demander à ces gens-là. Soit tu cherches la qibla, tu mets le couverture là et tu pries, tu demandes pas leur point de vue. Ils vont pas te sauter, te jeter de l'avion. La plupart ne comprennent rien du tout. C'est quoi le péché le plus grave? De faire la prière avant le temps ou après? Le péché le plus grave, c'est le fait de faire la prière avant le temps. C'est-à-dire, c'est comme tu fais le dhuhr avant le dhuhr.
Mais si tu as fait la prière de dhuhr, tu l'as fait dans le temps de l'asr, c'est rattrapage. La prière est valable, mais tu as commis deux péchés. Parce que tu as fait le temps, la prière après le temps, c'est rattrapage. Mais si tu as fait la prière avant le temps, la prière n'est pas valable du tout. On dit qu'il a prié dans l'aspect, mais il n'a pas prié réellement. Alors, c'est très grave. C'est comme il n'a pas prié. C'est comme il n'a pas prié. Alors, le péché d'avancer du temps est plus grave que le péché d'avancer, parce que celui-là, il n'a pas prié du tout. Et je viens de dire pour l'excuse, le voyage ou le maladie, l'imam Ahmad a dit s'il y a une excuse. Il y a certains savants qui ont dit que on peut avancer le Isha avec le Maghreb à condition qu'on ne prend pas comme habitude. Alors ça, je vous explique quand est-ce que cet avis, peut-être on le pratique pour certains. Tu avances le Isha avec le Maghrib, mais tu ne prends pas comme habitude. Lorsque l'enfant il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et ils sont à l'école en été, dès le mois de mai par exemple, et le Isha commence à devenir à 11 heures le soir, 23 heures le soir, minuit dans certains pays, et tu dis à l'enfant, reste jusqu'à ce temps-là, comment il arrive à rester et il a 7 ans, 8 ans, 9 ans et après il est à l'école. Alors pour les enfants comme ça, tu peux dire, voilà, selon certains savants, on peut avancer le Isha avec le Maghrib, on prie 4 rak'at le Isha avec le Maghrib, mais à condition qu'on ne prend pas comme habitude et la raison que l'enfant, il n'arrive pas à tenir et si tu le réveilles, tu le laisses dormir, tu le réveilles. Après, il va peut-être détester la prière, peut-être. Alors, c'est pas la miyata khizalika adatan lahu, wa hatta صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.